Hop. Oh, bah oui, mais s'il lance pas le son du jeu, faut pas vérifier qu'il marque le son du jeu. Hop, on va lancer le son, s'il veut bien, et qu'est-ce que tu fais? Bah alors, je peux avoir du son? Non? Limite-moi du son. Ok. Le micro y va. Le micro y va, c'est bon. Ah, ok. Bon, c'est parti. C'est le premier qu'on fait, mais c'est le 2. Enfin, j'ai pas trouvé le 1 sur le Play Store. C'est bizarre qu'il commençait par le 2. Bon, on fera les 3, hein. Les 4. Il y en a un avant. Hein. Je sais pas c'est quoi l'ordre. Voilà, on va commencer par celui-là. Le son, le micro, tout va. Ah, ça va. Hop. Ah, quoi c'est que ça? C'est parti. Ouh, scénario. C'est bien le scénario. Ouais. Voilà. Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines, et qui ressurgissent grâce à cette machine. Waouh. Donc ça c'est le 1, c'est ce qu'il a fait dans le 1. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. D'accord. Je suis arrivé ici. J'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont y faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. D'accord. Bon, au moins on a eu un résumé de ce qu'on n'a pas fait. Appuie sur une touche. Ah, j'ai appuyé sur une touche. Appuie sur celle-là. Il faut partir. Lucie, où t'étais passé? Ah oui, il est là. Maintenant. Elle n'est plus là. Bah si, en fait. Elle est là. Fais pas aller plus vite, hein. Quoi, ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes, pas plus, avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions, plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. D'accord. Bah, les cultures sont faciles. Un peu sur une touche, d'accord, voilà. Okay.
Ah, c'est sûr que niveau graphisme, on n'est pas au niveau d'un Odyssey ou d'un Valhalla. Hein. Je sais pas sur quelle console est sortie. PS2, PS3? Ah, il a poussé vachement loin dans son passé là. C'est une fille. Ah bah zut alors. Oh ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Ah. Il ne veut pas crier pour dire de respirer? Ah, je bouge. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux points. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Waouh. C'est nous, on est monté vachement loin. Et comment tu veux contrôler quelque chose avec un bébé? Bah, je suis né, ok. Après, il faut pas faire des miracles, hein. Il peut faire des trucs graphiques, mais pas. Vraiment se tirer d'ici, alors? Pas tout refaire le jeu. Je peux courir aussi? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Ah, je peux courir. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Et comme s'il allait réussir. Ok, mais commence bien. Voilà. Ils doivent pas s'échapper. Bravo. Mais t'es dingue. Ils sont pas censés être... Wow. Ils sont pas censés être avec nous, les mecs. On est les employés d'ici. Il n'aurait pas... une table. Bah oui, mais on peut rien faire là. Il court plus! Attention. Je pensais qu'il courait grâce à la touche R1, mais non, il court plus. Il court quand il veut bien. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. Oui. On a vu ça. Mais il court! Ah, voilà. Il veut la prévenir? On fait pour la prévenir. C'est ça, l'animus? Reste avec moi. Allez, allez. Ok, ouais. Il y en a combien au juste? Ne bouge pas. Il y en a. On dit des animis ou des animaux? Toi, tu dirais quoi, Lucie? Si? Bah oui! Ils ont vraiment besoin de tout ça? Fais des blagues quand t'as des gens partout. Bonne idée. Je suis pas censé la prévenir. Quoi? Ce passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. D'accord. Ah pareil, j'ai appuyé sur une touche. Et ça a marché. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Au sujet 16? Ezio Audi... Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir.
Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Ah ouais? Ok. Mais où ça? Il y a plein de gens ici. On se bat? Ah oui, on se bat. Quel combat acharné! Bon, attends, on va mettre un KO. C'est bien, ils attendent leur tour. Ah non. Mais chacun son tour. J'ai pas de barre de vie, donc je m'en fous. Après, j'ai qu'une touche à couille, hein, c'est carré. Triangle ne fait rien, rond ne fait rien. Ils sont plus que deux, je vais pas mourir là. Voilà. On prend la voiture? Elle est où? Elle est où? Mais... Mais elle est où? Allez, hop. Dans le coffre. Tu plaisantes. Pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. Et un kidnapping, hein? On a plus d'animus ici. C'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Eden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. D'accord. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Bah ouais. Avec l'effet de transfert. Oui, il suffit qu'ils s'entraînent dans le futur et qu'ils reprennent tout. Ou dans le passé. Et qu'ils reprennent tout maintenant. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors t'es banal, c'est ça qui est bien. C'est quoi son nom déjà, Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Okay. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Oh, un câlin. Merci. Par contre, ce sera 200, ils sont bizarres. Hein. Comment il a eu aussi peu de sang sur elle? Oh, des câlins. Ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite? Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières, je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Cray. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux, surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh, la mémoire centrale. Alors là, t'as fait très fort. Mais c'est ma naissance. Donné, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Ok. Après, s'il a juste copié ma naissance, bah la naissance d'Enzo... Ça sert, ce truc,
Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie... Je viens d'arriver. Arrête d'être... Voilà. J'ai pas méchant, mais il n'y a pas non plus gentil, quoi. Bon, je me balade, hein. Ok. Ça, c'est de la télé. Mais bon, et si on y allait? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Madame à son bureau. Hé, hey, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Ok. On sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait. Bon, bah on y va. Hey Desmond, ça va? Je me demandais en quoi consiste ton travail. Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'Animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident. Mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Cool. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. C'est un gant, quelqu'un? Ou Ouais, c'est un gant. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Ah! Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? C'est parti! Où est-ce qu'elle m'a mis ça? Eh bien. Où est-ce que je suis? Combat de gang. Allez. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Gandardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Oh là là, il lance des pierres. Et on bouge pas? D'accord. Ok. Nos tortionnaires sont vraiment. Tu vas leur acheter tout, mais c'est
et les secrets de tout le monde. Est-ce que je peux taper mes potes? Non, ça va, j'ai pas l'impression que... Et j'ai qu'une pull pour taper, vraiment? Non, ça c'est pour ma... ça c'est pour tenir. Ça c'est pour esquiver, ok. C'est intéressant de pouvoir esquiver. Mais... Ah, c'est vrai qu'il y a un didacticiel à côté. Ce serait bien de le lire. Il reste plus qu'un, mais... Ça va. Alors, tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Oh, c'est vrai qu'ils ont beaucoup là. Hop. Ouais, mais si je fais rond, je les dégage. Ok. Je voulais dégager sur... sur eux, et ça les déconcentre. Ça peut être utile pour les combats à deux. Ouh, j'ai plus de vie. C'est pas carré pour ce qu'il veut. D'accord, fallait que je meure en fait. Bah oui, évidemment. Ok, ça m'aide pas à voler, mais bon. Carré pour voler? Rond pour voler, ok. Ah, enfoncé, ok. Ah ouais. Il pack avec des fleurances? Des fleurants? Ok. Ah ouais, après, les 1472, c'est... Ça remonte à moi quand même. C'est pas comme si je m'en souvenais quoi. Waouh! Faut partir, les gardes vont arriver. Bah, je veux les sous. D'accord. Pourquoi il est tout, tout brillant lui? Vous allez là. Ok. Allez, Ezio. Plutôt tu verras le médecin, plutôt nous irons nous coucher. Ok, allons voir le médecin. Ça peut être utile pour soigner pendant le jeu, quoi. Ouais, ça. Marche rapide ne marche pas. C'est marqué en plus. Ah, c'est gros. Ouais. Je sais pas, c'est par où. Ah. Allez, petit frère, tu vas y arriver. Attends, mais comment il est monté là-haut? Comme ça? Mais non, mais il rebondit sur le mur, faut pas qu'il rebondisse sur le mur. Voilà. Ouais, passons par le toit. Allez. Tu veux vraiment mourir pour aller voir le médecin? Mais non, mais faut pas que tu sautes, faut que tu grimpes. Allez, j'ai perdu mon frère. Il est où? Ah. Elle est où la cible? Ah, elle est là. J'avais pas vu le point bleu.
Mais saute. Ouais. Enfin, il voulait que tu sautes dans le truc là pour aller plus. Ah, c'est pas toi que là. Ah, si, c'est toi. Je vous salue, docteur. Les frères à auditoire, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de maman. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Le joli minois, c'est son seul atout. Faut t'aider. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Il est bien, mais bouge pas, quoi. Quelle nuit. Ça, oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. D'accord. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Bah, je te le suis, en fait. Cours samedi. Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Ok. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tre. Ok. J'ai bien qu'on est passé par là. Merde! J'ai remporté la course, ouais, mais je suis tombé. Ouais, les tortues, ils gagnent parfois. Hein. Voilà. Mais ils montent. Mais non, grimpe. Voilà. Corse perdu, merde. Bah, on meurt. Ah, mais j'ai porté lui. Je pensais qu'on allait recommencer la course avec le. Ah ouais, mais il veut pas. Mais pourquoi il rebondit tout le temps? Mais saute. Mais non, mais saute. Ah oui, j'ai perdu, mais oui. Ah, encore un bot. Bah, il est parti. Allez, première mission, je galère déjà. Tout qui part avant moi, quoi. Mais regarde, il rebondit, pourquoi il rebondit? Mais c'est pas une tortue, c'est ce que je. Allez, monte! Mais j'ai perdu. Je veux que. Non, mais là. Qui fait quoi? Comment on grimpe? C'est rond pour. C'est pas de rond. Comme pour s'agripper aux ennemis, c'est rond, c'est peut-être rond pour s'agripper au mur. Il passe par là. On dirait une tortue. Ah là, il est grimpé tout seul. Mais non, pourquoi il s'est arrêté? Je voulais que tu sautes, moi. Et là, il a sauté, ok. Ok, donc on contourne, on passe, on saute au-dessus et on grimpe. Mais il part avant moi aussi, il triche. En même temps, si on peut démarrer pendant le chargement aussi. Mais arrête de rebondir. Voilà, grimpe sur le mur. Là, il va s'arrêter. Ah, oh, mais non, mais j'y étais. Il va sûrement avoir un raccourci. Il va tellement mourir, notre grand frère, je pense. Mais regarde, déjà là, si j'arrêtais de faire ça.
Bah déjà là j'étais mort. Un coup de perdu, ouais. Ah! Ouais, après il y a un mur là. Mais grimpe! Voilà. Il touffe le mur et il veut. Où je peux le grimper celui-là? Allez, grimpe! Comment arriver là où je veux arriver quoi? Après, gagner la course, c'est autre chose. Je peux marcher, je peux déjà commencer la course là. Normalement, je suis contre le. Ok, voilà. Que je rattrape mon retard. Mais non, mais. Oh, déjà là, je suis mort. Et des fois, il le fait tout seul, et des fois, non, je suis obligé d'appuyer sur. Sur rond. Ah, je vais y arriver, non, je vais quand même pas galérer sur une bête course. Force, je vais réussir à faire la course pendant le chargement. Ah. Même l'ordi il bug. Ah, un mur. Bon, c'est ce qui m'arrange quoi. Allez, allez. Non. J'ai pas perdu, j'étais avant lui. Je suis là où il est. Il est même pas là. Il a sûrement un raccourci. Mais non, mais quelle drôle d'idée! Bah ouais, mais là j'ai perdu. Pourquoi il a rebondi? Non, mais voilà. Je veux pas qu'il rebondisse en fait. Ce serait utile plus tard, j'imagine, mais là, non. On va quand même pas rester bloqué là pendant 30 ans. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Il le sait pas hein, qu'il répète en boucle ce qu'il dit. Ah. Allez, allez, je suis devant. Je sais pas quand gagner. Hein. Mais non, il a rebondi, bah forcément. J'ai gagné. Mais il m'a bloqué! Ah, j'ai gagné! J'ai gagné, je m'en fous! J'ai gagné! Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Ouais, mais il a décidé de pas sauter en fait. Sauter? Vraiment? Non? J'ai quand même appuyé sur sauter. Ok. Ah, c'était pas une bonne idée. Eh, hey, les bottes de paille, normalement, on meurt pas dans les bottes de paille. Après, avec une chute pareille, j'imagine que voilà. Gagne la course. Ouais, j'ai eu de la chance. Pas une course hein, donc en même temps. Et monte. Regarde, t'es monté sans que je saute. Mais j'appuie pas sur carré, hein. J'appuie pas sur croix en fait. J'appuie sur R2. Hein.
meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Ah, c'est le début du jeu. Il faudrait bien faire les... Ah, bon, bon. Pas pour les deux. J'ai acheté le 3 et j'ai acheté le 4 aussi. Donc on a qu'à faire. C'est bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi ? Hé, Tio. Laisse dormir Christine. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. D'accord. Pourquoi ça brise bazar? Eh ben ouais, faisons-le. Synchronisons. Ça sentait la synchronisation, ouais, bon. Comme du par hasard, on était dessus. Carte mise à jour, ok. Vraiment, ça va marcher, passé? R2, croix. T'es caché. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Ouais. Je pensais qu'il allait tous rester devant moi, mais ok. Mais je suis tout. Et il y a moyen de savoir qui est mes ennemis ou pas? Et savoir où je dois aller? Je dois aller là où il y a. Il y a l'étoile jaune là. Ou pas. Ah, ces étrangers, franchement. Je sais pas ce que je dois faire ici. Mais il y a un truc ici. Ah, une cachette. Ah, pas de café. D'accord. Après, savoir où je dois aller, ça me dérangerait pas. J'ai rien contre. Ah. Est-ce que cette grosse lumière ne devrait pas dire là où je dois aller? Elle est un peu plus grande, mais... Il paraît que c'était tout près quand... sur le toit. Ou alors... Ah. D'accord. C'est une trop grosse lumière, vous avez raison. C'est un DLC. Vous l'achetez pour plus tard. Il y a vraiment que cette zone-là qui est pas dans. Qui est pas acceptée. Ok. Je sais pas ce qu'il y a là, mais. C'est pas encore accessible. Faut vraiment faire ça? Ouais. Ça bouge pas et tout. Et je dois aller où? Je pensais que c'était temps. C'est pas une carte. Destination, voilà. Je dois aller au truc jaune. Donc on va aller par là. Mais j'y étais alors tout à l'heure. Hop. Oh, je suis pas loin. Sauf que je dois aller aux fenêtres, non? Trop bien. On va pas mourir, hein. Il n'y a pas eu envie de sauter. Diable, corps. Il prend trop de risques. Christina. Christina. Qui est là? Ah. Oh.
J'en étais sûr. Comme du par hasard. D'accord. Mais juste une minute. N'ai pas besoin de plus. En effet. Attends. Tu m'as mal coupé. Tu t'es fait avoir. On est deux. Elle t'a eu. Et la zone qui n'est pas chargée, elle est de plus en plus grande. Ah, on est en train d'être déchargé là. C'est quoi ce bordel? Non mais. Mais tu mets pas du chien aussi. Si tu veux pas aller la voir, dis-le. Hein. Ok, t'es vexé, mais c'est pas une raison. Ah, c'est ça, c'est exécuté. J'ai eu bien le temps. Ça va être une longue minute. Ah, on est au début du jeu, on commence déjà bien, ok. On va fermer la fenêtre, non? On est censé être discret. Ça va. Ça peut passer sur YouTube. Les gardes. C'est quoi la mission? Ah. Vous me confondez avec un autre. Il voulait que je l'aide à faire des choses. Je suis presque innocent. Presque. Bon, on va taper. Hein. C'est des gardes, ils vont savoir taper, non? Une idée. Mais arrête d'être en mode combat. Alors, tu attends l'autre. Ils ont inventé un nouvel ustensile à bas de vous, cassé dans quelle langue? Ah, mais non. Il parle de castrage, non? Il veut pas sortir du mode combat. Je serais plus de vie. Hey, je voulais pas y taper moi là-bas. Non. Mais. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Bah oui. J'ai plus envie. J'aime l'argent, donc. Mais c'est pas un cadavre, il bouge encore. Regarde, il bouge encore. À la base, je vais me casser là-dedans pour pas être vu, mais ça va marcher. Il s'est mis en mode combat et il a fait ok, bah je vais taper. Mais c'est quoi les jaunes? Pourquoi ils sont gentils ou pas? D'accord, on va rester là, on va voir. Ok. Les jaunes, quand ils te voient, ils deviennent rouges. Ok. Je l'ai où en fait? Ouais. Ok, ils sont de plus en plus nombreux. On va essayer le truc de la cachette. Merde, pourquoi t'es sorti? T'étais caché. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. La chance
Au, au, au. Mais quelle drôle d'idée. Ben j'avoue. Bousculer, pas frapper la personne à terre. J'ai plus qu'un point de vie, je voulais pas y taper la balle. Ah, c'est pas, c'était pas le but. J'en ai marre qu'il rebondisse sur le mur. Voilà, moi je prends un peu de... Et ils sont pas complètement cons, mais je pense que si je me casse là-dedans, normalement... Ah mais non, mais dès qu'il y a un mec à côté de lui, il sort. Et non, j'ai ma tête sur mon corps, ouais. Raté. Arrête de rebondir sur le mur, grimpe, ils vont pas te suivre. Mais ouais, espèce d'idiot. Voilà. Ah. Ok, ils sont aveugles. Maintenant, si je sors de la zone, il me voit plus. C'est ça le truc. Oui, laissez-moi quand même aller dans la zone pas chargée. Merci. Où est-ce que je dois aller? Ah, j'ai pas de, de mission, ok. Début de mémoire génétique, ok. Donc je vais aller là. Et en fait, pour revoir les autres zones, je dois prendre les... Les points d'observation. Forgeon. J'ai bien fait de dépouiller les trucs parce que je peux me re-soigner. Et alors je vais me soigner. Ou alors on soigne avec le temps. Parce que j'avais... Il me manquait un seul point de... Il me restait un point de vie. Et il me reste deux. Ou alors je peux réparer le coin qui me reste. Attends, est-ce que je peux faire la carte? Je peux dire des endroits où je veux aller? Non. Ok. Voilà, hop. Oh, je suis déjà quand il fait ça. Ouais, j'avais encore deux plaques donc. Pour essayer de pas mourir avant d'être soigné. Je sais pas combien ça coûte. Bon, ça va, j'ai pris un peu de sous. Et notre là où on doit aller est à côté du médecin, donc on va se soigner en même temps. Mais bon, le médecin est intéressant quand même d'y aller. Mais j'avais réussi à les dégager, pourquoi j'ai sauté sur quelqu'un? Grave, vas-y. Grimpe. Mais grimpe. Mais saute. C'est parfait. Il sera bientôt à portée de flèche. Ah merde. Écartez-vous. Laissez passer. Mais veux-tu bien sauter, oui. Ah. Ok. Mais on passe plus de temps à fuir les gardes qu'à... Bon, on est arrivé, on devait arriver en plus. Hey, il va vite lui. Il a mangé quoi? Mais non. Voilà. On quitte cette zone. Bien, retourne au médecin. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut atterrir sans tuer quelqu'un? Ça m'arrangerait.
Lâche-toi. Viens. Joli réflexe. Ben ouais. Mais non, je vais pas passer en raison d'aigle, je veux appuyer sur triangle pour des achats. Ben je veux bien. Je vais pas le voler, je veux. Veux-tu bien me parler? Non. Non. Ok. Oui, c'est pas toi que je veux parler en fait. Ah voilà. Ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est seulement pour plus tard. Bientôt, vous vous sentirez mieux, vous verrez. Ça va, je me sens mieux. Bon. Et on doit aller par là. Bonjour. On doit aller là d'ailleurs. Je ne suis qu'une humble femme. C'est mon père. Parlez. Bref. Je vous salue, père. Viens avec moi. Attends, on s'est fait agresser devant la maison. Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Gary de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Comportement est inacceptable. Wow. On a fait de mal. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Ah, je pensais qu'on était un assassin, en fait on est un postier. Bah allez. On doit aller où? Ah, on doit aller là où il y a le... Ok. C'est bien que ce soit marqué sur la carte. Ouais, bon, on va éviter, on a vu ce que tout à l'heure. Après, on peut faire ça et voler les gens, si j'ai bien vu. Ouais, on peut les voler. On peut faire ça quand on n'est pas vu. Il n'y a pas dit allez vite donner la lettre, il a dit allez donner la lettre. Donc on a le temps, en vrai. Salve, come state? Ah! Désolé, je ne voulais pas vous importuner. Mais c'est quoi cette bousculade là? Pourquoi je tiens pas sur mes jambes? Tu vas par là, c'est par là. Je suis invisible. Je suis tombé du gris, je suis plus là. Passer par là. Ah ouais, il est pas là parce que... Ok. Je suis en plein combat, ok. Ah, une échelle. Lui, c'est monté aux échelles, non? Voilà. Ah bah, il me suit. Les médecins, ça coûte cher. Arrêtez de me taper. Ouais, tu peux tomber. Ça va comme dire volonté. Bon bah, tant que vous êtes là. Voilà, ça paiera le médecin. Oh, des cadavres. Pourquoi vous faites des cadavres? Ils sont pas morts, ils bougent encore. Merci. Allez. Au moins là-haut, on se fait pas engueuler. Ah, c'est le nombre de pas qui me manque là. Si je vais par là, ça monte à 5. Et si je vais par là, ça monte à. Ok.
Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. Ouais. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Ok. Allons, fais-nous. Par contre, on se fait vachement agresser souvent dans cette ville. Mais non, mais arrêtez de me frapper, franchement. Allez, j'ai tué une personne et... Ah, mais vraiment, ils veulent pas me... On va les près de chez nous, on va les fuir près de chez nous. Voilà. Vous devez avoir un siège près de chez nous, là. Ah, oh, Mehdi. Ah, bon. Ah, il veut pas. Eh, mais ça fait mal, ça. Mais... Voilà. Après, j'aurai sûrement des armes plus fortes, donc je les battrai en moins de coups. Voilà. Il fouille la mort, mais vous êtes déjà mort. Hein. Vous avez été tapé, vous êtes déjà mort. Il est pas mort, c'est pas grave. Après, s'il faut faire autre chose que de l'argent, je suis pas contre. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est rouge et ça brille. Fouillez. Oh! Par contre, c'était chez nous, donc je pense que c'était notre argent. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace s'est écartée. D'accord. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Alberto? Respect, Gonfaloniere Alberto. Quand